Vous, cette musique. Maintenant, si je rajoute ça. Maintenant, si je vous dis, hey, salut les copains, c'est le jour de la marmotte. Et maintenant, connaissez-vous cette musique? Maintenant, si je rajoute ça. Et maintenant, si je dis, salut les copains, c'est le jour de la marmotte. Et maintenant, connaissez-vous cette musique? Et maintenant, si je rajoute ça. Et maintenant, si je dis, salut les copains, c'est le jour de la marmotte. Vous me répondez, le film culte, Un jour sans fin, avec Bill Murray, c'est l'histoire de quelqu'un qui vit tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, la même vie. Debout les campeurs, c'est le jour de la marmotte. Il est prisonnier d'un jour sans fin. Ça fait depuis 2 semaines que Laurent Macabiès prépare cette séquence, une séquence terriblement triste, on doit vous l'avouer, mais tellement signifiante. Voici l'entre-deux-tours. Bonjour Florian Philippot. Bonjour Monsieur Macron, c'est effectivement l'héritier de Hollande. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous. J'ai bien dit l'entre-deux-tours. Voici les 10 jours de Florian Philippot. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Monsieur Macron, c'était le candidat de François Hollande. Merci Florian Philippot. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Monsieur Macron était le candidat officiel de François Hollande. Merci Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Monsieur Macron est le candidat officiel de Hollande et de l'Élysée. Merci beaucoup Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. François Hollande a voté évidemment Macron dès le premier tour. Merci Florian merci Philippot. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Dès le premier tour, évidemment que François Hollande a voté Emmanuel Macron. Merci, merci à vous. Florian Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Hollande s'est rallié à Macron. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Hollande, on voit bien, il soutient à fond Macron. Merci beaucoup Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Macron, hein. Hollande le soutient comme un fou. Merci Florian Philippot. Et je suis avec Florian Philippot, le vice-président du Front National. Monsieur Macron, le successeur de Hollande au pouvoir. Merci beaucoup Florian Philippot. Florian Philippot. Bonsoir. Macron est le candidat de Hollande. Bon. Merci, merci à tous. Merci d'être avec nous Florian Philippot. Macron, il est soutenu par François Hollande. Merci. Merci. Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Macron, candidat de Hollande. Merci Florian Philippot. Merci d'accueillir nos invités. Florian Philippot. Monsieur Macron, Hollande bis empire. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonjour Florian Philippot. Bonjour Monsieur Macron. Ouais, Emmanuel Hollande. Merci. Belle journée. Monsieur Macron, c'est le candidat de François Hollande. Merci. Bonjour Florian Philippot. Monsieur Macron, c'est la continuité de Hollande. Bonne journée à vous. Merci. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Monsieur Macron, la continuité de François Hollande. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Florian Philippot, vice-président du Front National. Monsieur Macron, c'est Monsieur Hollande. Merci Monsieur à tous. On va commencer avec vous, Florian Philippot. Hollande, c'est Monsieur Macron. Merci Florian Philippot. Vous êtes aux côtés de Florian Philippot. Un nouveau quinquennat Hollande avec Monsieur Macron. Merci beaucoup Florian Merci Philippot. Bonjour Florian Philippot. Bonjour Monsieur Macron, un nouveau quinquennat Hollande. Merci Florian Philippot. Je suis avec Florian Philippot. Monsieur Macron, c'est François Hollande. Bonne journée. Debout les campeurs, c'est le jour de la marmotte. 30 médias en 10 jours. Allô docteur. Bonjour, je suis Jean Cottreau, l'auteur de Tous narcissiques. Oui, oui, parce qu'il y a un peu de ça aussi, hein. Là, je verrais volontiers un narcissisme allant vers, quand même vers le noir, ce qu'on appelle la triade noire. C'est-à-dire, d'un côté, la personne est narcissique, elle a besoin de se montrer, elle a besoin qu'on lui déroule un tapis rouge en permanence. D'autre part, il y a un côté machiavélique. C'est un personnage qui a un agenda politique. Il faut être narcissique pour réussir en politique ? Absolument, ça fait partie du jeu. Merci, docteur.